Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander, et plus précisément la campagne des Cibrans. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la troisième mission qui s'intitule Opération Défrag. Défragmentation je présume. Et vous laisser avec la cinématique, bien évidemment. L'intégration totale du dispositif Seraphim est terminée. Mes systèmes opérationnels sont désormais 84,593% plus efficaces. Splendide! Et le virus? Il est terminé à 90%. Le système de distribution du virus et de la matrice de libération reste un problème. J'ai besoin de 61 jours pour m'implanter dans le réseau des portes quantiques. Les Aeons vaincront la FTU dans 22 jours. Des calculs secondaires annoncent 54,229% de chance que la FTU utilise le Soleil Noir avant de succomber aux Aeons. Les deux hypothèses signifient la fin de la nation Cibrane. Le temps joue contre nous. Le docteur Sweeney pourra peut-être nous conseiller. Un de ses meilleurs scientifiques fait défaut à la FTU, mais c'est parce qu'il est notre invité. N'est-ce pas? Ah, commandeur, quel dommage pour Mac. C'était un si bon garçon. Tellement plein de promesses. Alerte. Détection d'importantes signatures FTU pénétrant notre orbite. Ils atterrissent. Je transmets un message urgent du commandeur d'élite d'Ostia. La FTU a localisé notre base sur Minerva? Impossible. J'arrive, Dr. Brackman. Pas le temps! Pas le temps! Mon garçon n'est qu'à une porte. Je dois absolument quitter Minerva. Il est notre fer de lance. Bon, ben on sait maintenant ce qui nous attend. Bon, on va refaire la map de Minerva qu'on avait déjà fait avec la FTU. Bon, c'est un détail, mais c'est dommage. Il y a quelques changements, bien évidemment. Mais bon. Votre priorité est de défendre York 18. Les civils doivent être en sécurité avant que le Dr. Brackman quitte la planète. Vous devez aussi garder la porte quantique. C'est notre seul point d'évacuation. Hop, c'est terminé. Alors, on départ tout de suite, on a des chars amphibies. Il faut juste arrêter l'assaut initial avant que la ville soit majoritairement détruite. Donc il faut empêcher la destruction de plus de 50% de la ville. Il y a un coup d'assaut. J'aurais pas dû envoyer mes véhicules à droite, enfin mon armée à droite. Il y a toutes mes troupes vont arriver un par un, ils vont se faire arriver un par un. Alors à savoir que je trouve pas les chars en pipi très puissants contre les unités terrestres. Par rapport par exemple à un tank de niveau 2, je trouve le tank de niveau 2 plus efficace. Vous avez sécurisé York 18, mais le commandeur FTU tente de vous isoler. Ils entourent la ville de base d'expansion. Détruisez-les. Hop, c'est terminé. Et on va vite faire une usine. Toi, Cibran. Bon, à savoir que... Je vais détruire cette ville, Cibran, et tu ne pourras rien y faire. Bon, à savoir que cette mission, on aura au bout d'un moment les extracteurs de Tech 2 qui seront débloqués. Les générateurs d'énergie de Tech 2 aussi. La ville a été protégée, donc c'est bon. Et je voulais surtout vous dire que... Ah, c'est 50%, je vérifiais. C'est que je filme ma voix... Enfin, j'enregistre ma voix après avoir filmé la partie, encore une fois, à cause d'un problème technique. Je m'en excuse. Donc ça sera pas aussi efficace que lorsque je filmais, quand, venait tout juste de, quand je jouais. Bon, je préfère vous préciser d'avance. Donc il va être important de construire une petite ligne de défense. Vu qu'on aura accès à l'arsenal du Tech 2, on va pour l'instant provisoirement mettre du Tech 1. Deux tours anti-aériennes. Commandeur attaqué. Quoique, je manque d'énergie. Voilà, je manque d'énergie si vous faites attention en haut à droite. Notamment à cause du radar. Et cet ingénieur va me servir à rien.
Parce que j'en fais un tech 2 pour remplacer. Donc. Alors actuellement c'est normal qu'on n'ait pas accès au. Alors, on va faire déjà une tourelle ici anti-aérienne de tech 2 parce que. C'est un petit peu frustrant. On va faire quelque chose d'amphibie en plus parce que ces unités nous seront par contre très utiles par la suite. Alors, voilà, maintenant on va commencer le boulot. On va renforcer tous ces extracteurs de masse, étant donné qu'on n'a toujours pas les fabricateurs de masse de tech 3. C'est bon. Quand j'entends commandeur attaquer, c'est maintenant je mets tout de suite en vitesse minimale et je vérifie qu'il n'y a pas de soucis dessus. Donc là, je prévois ça en fait quand je débloquerai les extracteurs de masse de tech 2. On va pas se mentir, ça sera très efficace en facteur de masse de tech 2. Donc là, notre armée est en train de se constituer. Bon, la masse commence à se stabiliser, vous voyez, tout va bien. Donc il faudra éliminer chacune des bases, donc essayez d'en garder une en vie. Vous pouvez dégommer toutes les usines de production. L'objectif ne sera pas considéré comme accompli tant que une partie de la base restera entier. Donc on va déjà s'occuper de cette base aérienne là, puis ensuite de la base polyvalente qui se trouve au nord de la ville. Donc en gros on va s'occuper déjà de la base au nord-est, ensuite de la base du nord, puis après on finira par la base de l'ouest. Parfois en fait on va avoir point de vie en gris, je m'en excuse. Je viens tout juste de constater. Vous n'êtes qu'un terroriste aliéné. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas court normal, c'est pas grave. Alors bien évidemment nous on va continuer à booster un peu l'énergie parce que 120 d'énergie c'est pas beaucoup. Vous pouvez vous permettre de capturer l'extracteur de masse de FTU, ils sont déjà de tech 2. Je vais en détourer une partie, je vais en prendre une contrôle d'une partie. Hein. Voilà, ce bâtiment est bientôt détruit. Et comme vous constatez, la base n'est pas détruite. Bon après il reste des unités anti-aériennes mais ça on s'en fiche un peu si je peux me permettre. Pas plus important. La base de l'ouest est toujours opérationnelle commandeur. Hop c'est terminé. Donc ça avance. Ensuite on va s'occuper de ça. Dommage qu'il n'y ait pas de raccourci pour le bâtiment, ça me faciliterait la vie. Je sais plus ce que je vais faire ensuite donc m'en excuse. Mais voilà, je vais faire déjà l'ingénierie de de tech 2 pour mon UCB, donc unité de blindée de commandement, pour pouvoir rapidement faire des unités, des bâtiments et des unités de tech 2 avec le commandant. Ça me permet très rapidement en fait de pouvoir faire ce que fait mon ingénieur mais de manière plus rapide, donc c'est largement plus rentable. Et faire ainsi les unités anti-aériennes ont neutralisé la menace. Et c'est très perturbant de voir cette couleur. Je sais pas si c'est peut-être mon ordi. J'ai remarqué qu'il y avait quelques soucis de couleur. Des choses qui moi devraient être grises sont un peu jaunâtres parfois. Donc c'est dérangeant. Alors cette base là. Elle est assez dérangeante à prendre. Parce qu'elle fait deux types d'unités, c'est elle qui va vous harceler.
Il y a les défenses de Tech 1. Il n'y a que des défenses de Tech 1, donc c'est pas plus dur à prendre, plus dur. C'est à base de Quest. Enfin, plus dur. Là, il faut attendre qu'il sorte. Bah, bon. L'une des astuces pourquoi j'aime pas cette unité là, c'est que vous voyez, il y a une partie qui sort, une partie qui sort pas de. Donc, c'est pas grave, nous on va faire notre petite défense. Qui sera bienvenue. On continue. Il est temps de payer vos crimes contre l'humanité. Pour ceux qui se demandaient pourquoi mes vidéos sont plus courtes que celui. York 18 ne sera pas en sécurité tant que la base de l'ouest de FTU, c'est la raison est simple, c'est que je reste beaucoup plus en vitesse accélérée. Là, on va construire juste 4 générateurs standards. J'ai du mal à y mettre. Puis améliorer le radar. Écoute, ça coûte quand même 250 d'énergie. Non, c'est juste une terrestre. Non, c'est juste une terrestre que je devrais faire. N'inquiétez pas, ça va être fait. C'est bon, j'allais faire une connerie en fait, c'est pour ça. Alors là on va commencer à déployer les défenses de Tech 2. Alors, je vais prendre les bases avec les défenses de Tech 2 parce que ça va plus vite que d'utiliser des unités militaires. J'ai un radar, eux non, donc la portée de tir sera pour moi. Je vous suggère de consulter vos objectifs, commandeur. Hop, c'est terminé. Ouais, bah tu m'as le temps de faire mon bordel. Hein. Votre espèce me dégoûte. Donc au milieu, vous voyez les défenses antiaériennes de Tech 2, le tour est défensé par la défense terrestre de Tech 1 pour la base du haut. Donc sa base va équilibrer par nature. Donc ils auraient dû mettre des défenses de Tech 2. Quoique. C'est vrai que ça aurait compliqué s'ils auraient mis des fonds de Tech 2. Donc là on attend. Bon, on pourrait les capturer, mais bon, vu que je pourrais en construire un peu plus tard, c'est pas dérangeant. Actuellement j'ai 22 en masse, c'est largement suffisant. Voilà. Et l'avantage des défenses de Tech 2, c'est du fait qu'ils ont une hauteur supérieure au mur, généralement ils sortirent traverser les murs. La base du nord-ouest a été détruite. Bah en plus je peux faire ça avec mon. Faudrait pas que j'oublie de couper. La base de l'ouest est toujours opérationnelle, commandeur. Hop, c'est terminé. C'est pour capturer. Ensuite, hop, hop. Autant les capturer, ça vous évite de perdre du temps. Voilà, ces défenses casse. Je pourrais raser celle-ci vous aussi. Vous mourrez aujourd'hui. Toujours maximiser la place prise dans la population, bien évidemment. Si vous voulez capturer des bâtiments de FTU, allez-y, un bâtiment de production, vous ferez des unités de FTU par la suite si vous voulez. Moi je suis toujours sur le même credo de faire une. Système activé. Un peu roleplay, voilà. J'ai une faction, je joue ma faction. Dans les campagnes, je précise, dans les campagnes. Au moins on monte la force de notre faction par rapport aux autres factions. Après rien ne vous empêche de récupérer une partie, parce que chaque faction a de ses propres avantages et inconvénients. Donc... ne sera pas en sécurité tant que la base de l'Ouest existe, commandeur. Hop, c'est terminé. Ouais, bah... on a compris. Des ennemis à race. Alors, je demande à mes unités de pas attaquer pour aider à la destruction de cette base pour après avoir le temps de construire tout ce que j'ai à construire. En fait. Au pire, vous finissez par construire cette ligne de défense si vous voulez. Nous sommes inarrêtables. Nous restaurons l'Empire. Commandeur, attaquez. Ah, si, j'ai mon corps.
être attaqué aussi. Donc ça c'est bon, on aura bientôt un nouvel extracteur de masse opérationnel. On va capturer cet extracteur là. En fait j'ai oublié à toujours raccourcir dans cette mission. Que je sais que c'est C, raccourci. Je vous suggère de consulter vos objectifs, commandeur. Ops, terminé. Alors ça, je prévois pour la suite de la mission, hein, enfin, pour la troisième partie de la mission. Les défenses là, comme ça moi je retiens mes défenses au cas où il y en a son ennemi. Ouais, j'ai un mec qui va me faire plaisir aussi que je rase tout ça. vous pouvez, d'ailleurs j'ai pas dit, mais vous pourriez faire des bateaux. Mais c'est pas rentable sur cette map. Parce que vos bateaux seront utilisés uniquement dans le dernier quart de la mission, donc c'est assez dérangeant. Ma défense antiaérienne est bonne vu qu'elle protège la porte. J'aurais peut-être pu en rajouter un ou deux, c'est vrai. Donc ça, je pourrais activer le tir. Il faudra que je commence à prévoir mes usines aériennes. La base de l'Ouest est toujours opérationnelle, commandeur. Hop, c'est terminé. Une fois que j'aurai détruit la base de l'Ouest. Encore une fois, ça demande du temps. Voilà, c'est le souci de cette mission. En fait, c'est même le souci de tout jeu de stratégie, quand vous avez toujours besoin de la période de mise en place de la base, qui est toujours intéressante. Parce que moi, dans ma stratégie, j'essaie toujours de défendre avec le minimum de troupes. Et après, j'essaie d'écraser l'ennemi sous le nombre et la puissance de mes troupes. Alors, attention à cette base terrestre, elle est équipée de défense de Tech 2. Mais par contre, ça fait que des unités terrestres, donc au pire, vous forcez sur l'aérien, ça passe. Le terrain étant régulier, les tirs peuvent les arrêter, donc c'est pour ça que je construis autant de tourelles. Alors, les défenses Tech 2 sont dans les angles de. Vous ne pourrez pas me vaincre! De la base, pour information. York 18 ne sera pas en sécurité tant que la base de l'Ouest existe, commandeur. Hop, c'est terminé. C'est là qu'on voit que la géographie de la map est vraiment. Catastrophique. Parce que c'est vraiment un aspect à prendre en compte, notamment pour positionner vos défenses, éviter de positionner les dans un creux vos défenses, que sinon ça va être une hécatombe. La base de l'Ouest n'existe plus. Non. Allez, contrôle K. K, contrôle K et contrôle K. Voilà, tout ça est détruit. Donc on va demander de construire tout ça. Bon, c'est toujours long, je sais, mais bon. Voilà. C'est quand même plus agréable quand on est comme à la dernière mission de la campagne où on fait plus que des générateurs d'énergie et des. Comment ça s'appelle ? Fabricateur de masse de Tech 3. Ça n'est plus embêté par OS. Et là, sincèrement, forcé dessus. Ça sera pas un malus de faire tout ça. Donc j'ai 4 extracteurs de Tech 2. J'ai 12. C'est pas fini, j'aurai 14 extracteurs de Tech 1. Si je me trompe pas. Ce qui est beaucoup. Le reste est toujours debout, commandeur. Hop, c'est terminé. Donc ben non, ça base là, vu que j'ai pas détruit les dernières défenses antiaériennes, je pense que c'est pour ça. La FTU ramènera l'ordre dans la galaxie. Système activé. En fait, là, j'ai un petit doute de savoir est-ce que je serais capable de supporter la production sur autant d'unités. Sur 10 usines aériennes. Et maintenant, faut refaire des usines terrestres parce que. Faut bien quand même peut-être produire nos petits tanks amphibies, hein, nos chars amphibies.
Bon, ça, c'est... alors, quand vous construisez un bâtiment, ça nivelle le terrain pour que la zone du bâtiment soit totalement basse. Ça arrive parfois que le nivellement supprime la construction d'un bâtiment et que vous puissiez plus construire sur la zone. C'est généralement ce qui arrive avec les extracteurs de masse. Il faut que vous attaquiez la base du nord-est, commandeur. Hobbs, terminé. C'est bien mieux avec synergie. Système activé. Là, on va commencer à construire quelques chars amphibies. Quelques, hein, bien évidemment. La map étant née ayant beaucoup de rivières, c'est important de faire des chars amphibies parce que sinon vous avez besoin de transporteurs. Voilà. La base du nord-est est détruite. On passe à la suite. Nous pouvons commencer à évacuer York 18. Attendez, des problèmes arrivent de l'est. Préparez-vous pour un nouveau combat. Hop, c'est terminé. Zone d'opération élargie. La FTU bombarde la position du Dr Brackman, et il est coincé dans un bunker. Il le pilonne avec de l'artillerie et des missiles de croisière. Ce bunker ne tiendra pas longtemps. Alors... supprimez les forces ennemies pour que nous puissions évacuer le Docteur. Hop, c'est terminé. Alors ils ont deux artilleries de masse. La défense d'artillerie de Tech 2. Et on va avec les petits camions s'exfiltrer. C'est toujours intéressant, je trouve. Je me trompe de tout, c'est pas grave. Par contre, ce qui est primordial, c'est de raser le croiseur, parce que les missiles de croisière plus le canon... enfin, les missiles de croisière plus l'artillerie normale arrivent à percer les boucliers. Une fois le croiseur détruit... le croiseur a été détruit. Les véhicules d'évacuation se préparent. Hop, c'est terminé. Les boucliers seront seulement résistants pour tenir, et il faut détruire les trois boucliers pour avoir accès au bunker, vu qu'il est central. Et là on va tout transformer ce qui reste en Tech 2, comme vous voyez. Beaucoup d'énergie, et là vous voyez, en 3 générateurs d'énergie, on a autant d'énergie que... enfin, on a bien plus d'énergie qu'à 40 petits générateurs. Et on va finir à défense au nord, parce que vous comprendrez très vite pourquoi. Comment expliquer? Il y a deux stratégies pour la suite, parce qu'une fois qu'on va faire ça, on va devoir exfiltrer le laboratoire, ça je pense que c'est logique. Et... comment je peux expliquer? Soit les unités qu'on va exfiltrer avec le laboratoire, on fait soit des transporteurs aériens pour pouvoir exfiltrer les unités du laboratoire, c'est une solution. Soit on fait ce qui est un peu plus classique, c'est qu'on fait une bonne défense anti-aérienne tout le long, d'où ma ligne de défense, pour empêcher les unités d'arriver et vous les envoyer à pied. L'artillerie FTU bombarde toujours la position du Dr Brackman. Hop, c'est terminé. Faut savoir comment je fais la mission, j'ai oublié de faire les transporteurs, je vais les faire après. Et je vais constater que ça servait à rien parce que... il y aura des unités intercepteurs qui seront passées. Donc là j'explique que les bâtiments, quand vous les améliorez, changent de design. Pour cette faction, c'est 1, 2, 3 lasers en fonction du niveau que l'usine, plus résistant, etc. C'est vrai que... je ne présente pas assez les bâtiments des factions, le style, tout ça, je m'en excuse. Si jamais vous voudriez une vidéo où je présente plus en détail chacune des factions, enfin, vous voudriez que je m'attarde un peu plus dans les vidéos activé. Sur le design des factions, dites-le moi. Les factions FTU, c'est beaucoup du classique en troupes, ça ressemble beaucoup à des tanks, etc. Les Cybrans, c'est beaucoup tout ce qui est robotique. Et les Zion, ben, c'est un style propre à eux que... et vous verrez bien. Le Dr Brackman est presque prêt à quitter Minerva. Hop, terminé.
Le docteur Brackman est prêt à partir. Dès que les camions sortiront du bunker, ils seront sous votre contrôle. Guidez-les à la porte située à l'ouest de votre position. Ops, terminé. Unité aérienne FTU en approche. Préparez vos défenses. Ops, terminé. Donc là, en fait, je viens de découvrir. Mince, mais il faut évacuer. C'est ma chance de tuer Brackman. Ouais, je vais voir en amener. Le premier groupe de camions a quitté le bunker. Ils sont désormais sous vos ordres, commandeur. Sauf Ops, que. Terminé. Voilà. Le groupe de camions suivant est sorti. Ils attendent vos instructions. Ops, terminé. Le groupe de camions. Généralement, les chasseurs, en fait, arrivent à passer ordres, défense et. Ops, terminé. À moins que vous mettiez une deuxième ligne de défense antiaérienne. Envoyez, il est comme ça. C'est le problème qu'il y en a trop. Le but de ma ligne de défense est surtout d'empêcher tout débarquement de troupes terrestres. Maintenant, il faut demander à chaque unité d'aller un par un, d'angle, à porte quantique, mais ça prend du temps. Donc là, ça va prendre du temps. Le style Ion graphiquement est très particulier. Bah, faites en sorte que tous les camions atteignent la porte. Pourquoi? Autant les cibrants, c'est. La ruse a parfaitement fonctionné, n'est-ce pas? Pendant que tu les as distraits avec les camions, j'ai pris la fuite ailleurs. Bien joué, mon garçon. Le docteur Brackman est en sécurité ailleurs. Vos ordres sont d'attaquer le commandeur FTU et de le détruire. Oui, chef. Faites-le payer pour ce qui est arrivé à votre père. Modèle transmis. Ah, on a enfin zone une d'opération élargie. J'ai peut-être manqué Brackman, mais tu n'auras pas autant de chance. On va voir la folie que je peux avoir parfois. Voilà. Heureusement que vous nous avez toujours trouvé. Aller à droite. Nous nous cachions, la FTU nous aurait tous tués. Nous vous donnons accès à notre omnicapteur. Son radar couvrira la base FTU et permettra de planifier notre fuite. Voilà. Alors, les autres factions ont aussi des vaisseaux de combat. Simplement, il faut savoir que seule la FTU a des vaisseaux de combat capables de transporter des unités, ce qui peut être pratique parfois. Et là. Je vais vous présenter ce qui se passe quand on oublie qu'on est avec un adversaire qui a des unités de Tech 2 et des défenses de Tech 2 et qu'on envoie des troupes, des unités comme j'ai envoyé. Ben en fait j'ai perdu tout mon assaut amphibie. Ces unités là sont pas faites pour attaquer les défenses. Hein. Je parle de mes tanks amphibies. J'ai tous perdu sur des unités de défense de Tech 2. Ils sont faits pour traverser les rivières et c'est tout. Parce que ça reste des unités pour combattre sur la terre ferme. Vous pouvez vous amuser à torpiller simplement si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de défense. Je savais qu'il y a des défenses de Tech 2, j'ai voulu jouer. Voilà. Et là, on va finir cette vidéo en beauté parce qu'on va pas se perdre le temps à détruire toute la base comme moi d'habitude je fais. Il est là, on le fait sauter et on finit cette mission. Non, je ne peux pas. Le commandeur FTU est fini. Rentrez au bercail. Ben, techniquement, je suis au bercail. Oups. Bon, opération réussie. Commandeur Exocia, commandeur Thibault, vous êtes bien débrouillé sur Minerva, commandeur. Le docteur Brackman, comme nous tous, est satisfait de vous. Le maire de York 18 vous remercie personnellement pour vos prouesses. Comme vous le savez, la guerre va battre son plein. Les zones harcèlent FTU, nous ne pouvons pas y laisser gagner. Il est temps de passer à l'action et vous mènerez à charge. Profitez-en, commandeur. Vous l'avez bien mérité. Bon, je m'excuse, voilà, vous voyez 2h28, ça peut être très long. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.